à la boulette. Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les Pyrénées à Otakam, je crois que ça s'appelle comme ça, et pour faire tout simplement du bivouac. Alors pour ceux qui ne savent pas, le bivouac, c'est en fait on va faire une rando et ensuite on va dormir à la destination finale. Bref, voilà. Donc je vais vous amener avec moi, c'est parti! Est-ce que c'est normal que je sois essoufflée après avoir fait cette grosse montée d'épices? En vrai aussi elle était hyper raide. Hein. Ah, j'en peux plus. Allez, la rando c'est fini, non je rigole. Attention, on va dire bonjour à Gilbert. Bonjour Gilbert, comment vas-tu? Ok. Ok. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, on est où nous? Ah, on est là. On est là où vous êtes ici. Et après, nous, on doit faire quoi en fait? Ouais, on doit aller au lac d'Ourek. C'est génial. Il est 17h22 et nous sommes partis à 16h16. Je vous laisse faire le calcul de combien de temps on a marché parce que j'ai la flemme de calculer. Je pense que on en a encore pour un bon moment parce que là je vois pas l'arrivée. Mais bon, en tout cas le paysage est magnifique. On entend tous les grillons. Ah oui, et le truc que je vous avais pas précisé dans l'introduction, c'est que c'est la première fois en bivouac. Enfin, c'est ma première en bivouac. Parce que j'ai jamais fait ça. Ouh. Du coup, j'espère que ça va être bien. Le truc que j'ai peur, c'est les bêtes. Mais à part ça, ça va. Et vous me direz aussi en commentaire si ce principe de vlog vous plaît ou pas. Parce que j'ai envie de savoir tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous ennuie pas trop ce petit vlog et qu'il est sympa à regarder. Ah oui, et si vous vous posez la question, moi je porte le sac de bouffe. Du coup, c'est hyper lourd. En tout cas, je crève de chaud parce que le soleil il est ouf, il est tapant. Heureusement que j'ai mis de la crème solaire parce que là, sinon, j'allais avoir énormément de coups de soleil. J'ai encore ce chemin à faire. Oh là là. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. A plus. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est quoi? La digitaline. C'est, si tu manges, c'est fait pour les cardiaques. C'est une plante qui te... vasodilatateur. C'est des problèmes cardiaques, ça t'aide à mieux respirer. Mais quand t'es pas cardiaque, ça peut te tuer. Parce que ça t'apporte un afflux sanguin trop important. Et tu le mets comment? C'est un truc que tu mets en poudre, que tu manges. Faut pas manger. Faut pas le toucher et se lécher les doigts avec. Ah. Ouais. C'était l'info du jour. Ceux qui ont vertige, hein.
C'est quoi les options? Les options, c'est Andorre ici. Ici, là? Là, et t'as le coucher de soleil. Ouais. Ou Andorre au lac. Moi, je dis qu'on plante les tentes là où on voit le coucher de soleil et on se baigne en bas. Ouais. Allez, on va planter les tentes. À la recherche d'un endroit pour mettre la tente. Ici, c'est bien pour planter la tente, je pense. Mais le mieux, c'est là, mais sauf qu'il y a du plat. Enfin, c'est plat, mais il y a des cailloux. Et tu veux que je cherche là-bas? Si c'est bien? Ouais. Bon. Il est pas. Je vais aller là-bas pour voir s'il y a du plat. Bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour dormir sur un terrain plein? Oh purée. Je me suis fait piquer par des bêtes. Oh. Et on marche. 1 km à pied. Ça use, 1 km à pied, ça use les souliers. Alors, est-ce que c'est plat? Il y a quand même beaucoup de rochers, hein, ça va être compliqué pour mettre la tente. Allez, on refait le demi-tour, c'est génial. C'est horrible parce que j'ai toujours soif comme il fait chaud. Et le truc, c'est qu'on n'a pas de l'eau à volonté. J'ai trop envie de visiter la cabane. Elle. J'ai trop envie de voir. T'imagines, on peut dormir dedans. Peut-on ouvrir? Non. Ce fut une courte découverte. Voici mon frère. Magnifique. Attention. Oh! Je le tiens. Je m'ennuie moi-même. Bon allez, go monter cette cabane. Enfin, c'est deux cabanes parce qu'il y en a deux comme on est quatre. C'est parti. Aller au lac pour se baigner. Alors, elle est bonne? Elle est froide? Ah ouais, elle est froide. Bon, j'ai pas envie d'aller là. Bah, va pas. Mais au moins, tu l'auras fait, t'as mis les pieds dans l'eau. Ah, c'est gelé, hein. Bon, c'est vraiment froid. Je sors. Avec le reflet, c'est grave beau, hein. Et nous, on est tout là-haut pour dormir. Génial. Allez, on va voir le coucher de soleil en espérant bien le voir. Ça monte, hein. Là, vous verrez mieux. On était là, on a fait tout ça. Ça monte, hein. On a fait tout ça. On a fait un grand contour. Tuk, tuk, tuk. Et après, hop, on a fait ça. Et on arrive là. Oh, j'en peux plus. Et je vous dis que tout ce chemin, ça a fait que monter, hein. Donc, c'est horrible. Oh. Oui, on est enfin arrivé. Ouf. Voici ma tente où je vais dormir avec mon frère. Et là, la tente de mes parents. Ouh. On monte pour voir le coucher de soleil.
Waouh. Il est en train de se coucher. C'est beau ces couleurs. Trop beau le ciel, magnifique. Et là, voici la lune. Là où on avait vu le coucher de soleil ici, et maintenant le lever du soleil, on le verra ici. Alors, il est 6h30 du matin à l'heure où je fais cette vidéo. Verdict de la nuit, j'ai très très mal dormi. En fait, le truc, c'est qu'il y avait tout le temps du vent. Ça finissait jamais, en fait. Et voilà, c'était horrible. La cabane, à chaque fois, a bougé dans tous les sens. Et j'avais peur qu'elle s'envole, même. Enfin, la couverture de la cabane, j'avais peur qu'elle s'envole. Du coup, c'était horrible. Conclusion, très mal dormi. J'ai dormi 4 heures, je crois. C'est génial. Oh là là, je suis crevée. Donc là, on va rester sur ce pic pour regarder le lever du soleil. Et ensuite, on va finir la rando. Je pense qu'on va voir un petit lac. Attends, je veux vous montrer le petit lever de soleil là. Il est en train de se lever, c'est magnifique. Je vous montre une beauté. Voilà le petit bout du lever de soleil. Il est en train de se lever. Là où on a dormi, enfin très mal dormi surtout, c'était un plaisir. Salut.
marque de signature de Sunjoy pour dire que je suis passée ici. C'est pas le meilleur mélange. Magnifique. Au revoir, petit lac. Maintenant, direction la voiture. Oui. Allez, on va descendre cette fameuse piste où j'ai galéré à monter à l'arrivée, enfin au départ. Mais là, ça va être plus facile. Et notre voiture, elle est tout là-bas. Et après, on est arrivé. Voilà. Hey! Alors, j'ai remarqué en faisant le montage de la vidéo que la Sunjoy du passé avait totalement oublié de faire un message de fin. Bah, du coup, je le fais maintenant. Donc, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça me soutiendra énormément. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, car c'est mon premier vlog, donc je sais pas si vous avez aimé, etc. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Ah oui, et je voulais juste vous remercier pour les 100 abonnés, ça m'encourage vivement à continuer, donc merci beaucoup. Voilà, salut!